Le même syndicat avec l'autre policier qui accompagne nous dans le cadre des matchs qu'on fait pour que le premier temps pour nous joindre d'adage policiers qui nous jouent. Nous tous qui nous journalistes qui la presse, nous constatons qu'il y a trois policiers qui mourent, qu'il y a trois policiers chaque jour qui mourent, qu'il y a trois femmes qui ont violé, qu'il y a trois petits mouns qui ont violé, qu'il y a trois mouns qui ont pourri qui étaient la caille. Nous disons et nous tous nous connaissons. Qu'il y ait un moyen pour nous capables de résoudre le problème, c'est parce que l'autorité pays nous pas de volonté. Je dis, à, nous avons fait la conférence de presse, nous parlons dans la radio, nous venons devant des GA. Peut-être que c'est un de pas attendre. Nous venons devant le directeur général, pas nous. Pas que personne qui ne vient pas camper là. Nous venons dire, si c'est un de pas attendre, pour un policier mourir, des autres là dépassés, je dis, policiers ont mouru pour répondre. Il y a deux derniers policiers qui ont cadavre dans le même temps. Jusqu'à aujourd'hui, pendant nous là, on a parlé là. Policiers ont mouru pendant ce temps. Jusqu'à présent, on n'a pas vu combien de policiers ont mouru. Nous-mêmes, nous connaissons 6 policiers qui ont mouru, qui ont disparu. Maintenant, nous avons un porte-parole qui dit c'est seulement. Porte-parole qui dit c'est seulement 4 policiers qui ont mouru. Nous connaissons 6 policiers qui ont mouru. Il y a un qui peut être disparu. Je dis à nous venir devant des GA pour nous dire, comme c'est un tel patron dans la presse, comme c'est un tel patron sur la radio, il va être écrit nous, SPNH, accompagné avec plusieurs policiers, nous venons pour nous dire que ce qu'a fait là, nous découvrons, nous connaissons, son complot pour détruire les policiers, pour nous dire nous ne sommes pas capables, pour force internationale venir. Et nous disons à partir de aujourd'hui, la bataille à carré, nous attendons pour que nous ayons un cadavre policier d'abord. Et puis pour l'autorité, l'autorité qui est la police, le fait que vous n'êtes pas capable, que vous assumez, que vous n'êtes pas capable d'assumer, que vous n'êtes pas démission. Tout policier doit camper pour défendre la vie. Parce que je dis, nous sommes devant des gens, journalistes, regardez-vous. Des gens qui ont pris 9 pour protéger. La population, le commissariat, va les blinder. Je dis, Abdel Aboulé, il a blindé, il a blindé pour protéger. Tout chef qui est blindé, les policiers ont mouru chaque jour, ils n'ont pas de moyens pour sauver la tête. Je dis, c'est ça nous-mêmes, nous avons l'espérance pour nous dire. Tout trois patrons, cadavres policiers, il faut aller chercher les cadavres. Et tout policier doit exiger que les cadavres, il faut aller chercher les cadavres policiers. C'est ça nous-mêmes, nous venons dire là, je dis. Et nous disons la presse nationale, internationale, tout le monde connaît, policiers haïtiens, prêts pour les gommer. Ils sont prêts pour résoudre le problème de sécurité. Ils ne veulent pas les blindés. Tout chef qui est blindé, tout chef de l'autorité dans le pays qui est blindé, qui a protégé. Ils ne veulent pas les blindés. Pendant cette population, ils m'ont couru. Je dis à nous-mêmes, nous venons là. Nous venons devant les GA, direction générale de la police. Nous venons par un message là. Comme étant donné, nous allons parler dans la radio. Nous venons devant avec toute la presse nationale pour internationale pour nous dire nous bouquons. Les policiers mourir, sont des jeunes qui travaillent tout seul pour le pays. Pendant 2 ans de temps, il n'y a pas de moyens pour faire travail là, pour être capable de faire force venir, parce que la force a venu non seulement après ce pouvoir, et puis il y a des millions, il y a des millions, parce qu'il y a des peuples, il y a des pays, il y a la police qui va intéresser. Nous-mêmes, nous espérons aujourd'hui, nous, chaque policier dans le pays, quel que soit côté, nous prenons la disposition de les gens qui viennent. Pour l'autorité, par les cadavres policiers, on va y aller au pays. Soit on va y aller au policier, soit on va y aller au pays. Soit on va y aller au policier, soit on va y aller au pays. Ça, c'est un message espérant national, tout policier haïtien. Parce que nous subissons trop. Nous parlons. C'est des jeunes qui mourent, qui vivent, qui vivent, qui vivent, madame, qui vivent, qui vivent, mari, qui vivent, maman, famille. Ou à chaque mot. On se sent mot. Même si nous sommes avec l'autre policier qui accompagne nous dans le cadre des matchs qu'on fait pour que le premier temps pour nous joindre cadavre policier qui nous joue. Nous tous qui là, nous tous qui nous journalistes qui la presse, nous constatons qu'il y a trois policiers qui mourent, qu'il y a trois policiers chaque jour qui mourent, qu'il y a trois femmes qui ont violé, qu'il y a trois petits mouns qui ont violé, qu'il y a trois mouns qui ont pourri qui étaient la caille. Nous disons et nous tous nous connaissons. Qu'il y ait un moyen pour nous capables de résoudre le problème,
c'est parce que l'autorité pays nous pas une volonté. Je dis, nous te faire la conférence de presse, nous parlons dans la radio, nous venons devant des GA. Peut-être c'est un des pas attendre. Nous venons devant le directeur général, pas nous. Pas une personne qui a fait pas camper là. Nous venons dire, si c'est un des pas attendre, pour un policier mourir, des autres là dépassés, je dis, policiers ont mouru, pour eux, pour eux. Il y a le dernier policier mourir, cadavre, non mais je dis. Jusqu'à ce jour, pendant nous là, on a parlé là. Policiers ont mouru pendant 7 ans. Jusqu'à présent, on n'a pas vu combien de policiers ont mouru. Nous-mêmes, nous connaissons 5 policiers qui ont mouru, qui ont disparu. Matin, nous avons un porte-parole qui dit c'est seulement, porte-parole dit c'est seulement 4 policiers qui ont mouru. Nous connaissons 5 policiers qui ont mouru, il y a un qui a disparu. Je dis à nous, venir devant des gens pour nous dire comme c'est un débat dans la presse, comme c'est un débat dans la radio, il va nous dire nous. SPNH accompagné avec plusieurs policiers, nous venons pour nous dire que ce qu'a fait là, nous découvrons, nous connaissons, son complot pour détruire les policiers, pour nous dire nous pas capables, pour force internationale venir. Et nous disons à partir de jeudi, bataille à la carré, nous attendons pour que nous ayons un cadavre de policiers d'abord, et puis pour l'autorité, l'autorité qui est la police là, le fait que nous ne sommes pas capables, que nous assumer. Qui n'ont pas assumé, qui n'ont pas démission. Tout policier doit camper pour défendre la vie. Parce que je dis, nous devons déjà, journalistes, qu'à déboué. Déjà, il y a un blindé pour protéger. Les populations, les commissariats, ils ont blindé. Blindé, il y a un blindé, il y a un blindé pour protéger. Tout chef qui est blindé, les policiers appuient chaque jour, ils n'ont pas de moyens pour sauver tête. Je dis, c'est ça, nous avons une espèce de masculinité. Pour trois patrons, cadavres policiers, pour aller chercher cadavres. Et tout policier doit exiger que cadavres pour aller chercher cadavres policiers. C'est ça nous-mêmes nous venons dire là aujourd'hui. Et nous dit la presse nationale, internationale, tout le monde connaît, policiers haïtiens, prêts pour gommer, ils sont prêts pour résoudre le problème de sécurité, ils ne veulent pas blinder. Tout chef qui est blindé, tout chef autorité dans le pays qui est blindé, qui a protégé, ils n'ont pas poulé dans le blindé, pendant cette population lui-même a couru. Je dis à nous-mêmes, nous venons là, nous venons devant des GA, direction générale de la police, nous venons par un message là, comme étant donné, nous, elle ne parle pas de la radio, attendez, nous venons devant avec toute la presse nationale pour internationale, pour nous dire, nous bouquons, les policiers mourent, sont des jeunes qui travaillent tout seul pour être devant le pays, pendant 2 ans de temps, pendant 2 ans de temps, il n'y a pas de moyens pour faire travail là. Pour être capable de faire force venir, parce que la force est venue, non seulement après ce pouvoir, et puis des millions, pour être capable de faire millions, parce qu'avec le peuple, avec le pays, avec la police, ça va intéresser. Nous-mêmes, dans l'espérance, aujourd'hui, nous, chaque policier dans le pays, quel que soit côté de nous, nous prenons disposition de les gens qui viennent pour l'autorité, pour être capable de policier, pour être capable de pays. Soit on va être capable de policier, soit on va être pays. Soit on va être cadavre policier, soit on va être pays. Ça, c'est le message SPN national, tout policier haïtien. Parce que nous subissons trop. Nous pas. C'est les jeunes qui mourent, qui vivent, qui sont toutes les madames, qui vivent, qui sont mari, qui sont maman, famille. On va chambre. On sent.